Eh bien salut les amis, c'est Carmo, j'espère que vous allez tous très bien. 2 semaines, non pas que le jeu Mario Lapin Crétin plus Sparks of Hope est sorti, mais 2 semaines que moi j'ai le jeu, et donc que j'ai commencé la série, 2 semaines plus un jour. Et oui, c'est le 15e épisode de Mario plus The Lapin Crétin, Sparks of Hope sur Nintendo Switch. Merci à tous, n'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commenter, de vous abonner. Et j'ai une surprise pour vous. Enfin une surprise pour vous, c'est moi qui vais en profiter, mais c'est vous qui regardez la série hein. Donc regardez, j'ai changé mon équipe, j'ai retiré Lapin Peach et j'ai mis Luigi. Oui, parce que Lapin Peach, en fait, bah, elle était pas très forte. Déjà, elle avait pas beaucoup de portée, elle faisait pas beaucoup de dégâts. Oui, elle faisait du soin, mais maintenant, je regagne beaucoup de vie à la fin des combats. Donc, je me suis dit, essayons de tenter sans Lapin Peach. Alors, mon Luigi, par contre, il est pas exactement comme ça. Hein, parce que mon Luigi, il a comme Spark un qui lui permet, c'est l'esprit, de devenir invisible pendant 2 tours, c'est bien. Donc comme ça, au moins, il ne se fera pas toucher, il peut s'éloigner, aller se planquer sans se faire toucher. Et en plus, je lui ai mis Vlad Astra qui lui permet donc de récupérer des vies via les attaques vampiriques, ce qui est plutôt pas mal. Lapin Harmonie, elle a Invocagoth et Mirrorion. Et Bowser, il a Pulstar, bon, qui augmente les dégâts, mais il a aussi Stellazar. Et alors Stellazar, lui, il est plutôt pas mal. Bon, son passif, c'est qu'il augmente tous les soins de 30%, on s'en fout, il y aura plus de soins, enfin sauf les champis. Mais par contre, tous les alliés KO à portée reviennent à la vie avec 70% de leur PV maximum. 70%, c'est énorme. Stellazar, c'est marrant comme nom parce que Stella, ça veut dire étoile en italien. Mais à l'origine, ça doit peut-être être du latin, j'en sais rien. Et pourquoi Lazare? Parce que Lazare, eh bien, c'était l'un des personnages de la Bible que Jésus a ramené à la vie. C'est pour ça que c'est plutôt marrant, parce que comme Stellazar, il ramène à la vie, mais il s'appelle Stellazar. En plus, il est stylé comme ça, je l'aime bien, avec son petit cœur qui tourne autour de lui. Je crois que c'est sa queue, mais non. J'espère que vous avez liké la vidéo, et nous, on continue! Ça se trouve, je vais m'en mordre les doigts d'avoir mis Luigi dans ma team, et c'est pas là que je dois aller, super. Bah, ça marche comment la grue? Bah, ouais, bah, je peux pas en fait. Il y a une échelle, je peux pas l'emprunter. Hein? Hein, faut utiliser ça pour faire rotationner le Schmilblick, c'est ça? Ah non mais non! Ah non, c'est pas là qu'on va nous. Ok d'accord, j'ai fait dans le mauvais sens. Alors là ça amène littéralement nulle part. Ah mais c'est bloqué! Oh, faut faire tout le tour dans l'autre sens, c'est ça? Ouh, il y a un Kamek là-bas. Bon, le Kamek ça va, c'était facile. Enfin, il y en avait un. Quand il y en aura 2, ce sera peut-être un peu moins facile. Attendez, mais quoi? Je peux pas en fait. Alors faut peut-être que je descende et que j'aille chercher un tuyau ailleurs. Probablement, mais pourquoi pas là-bas? Ah, parce que là, ça allait dans le vide, c'est vrai. C'est bon, on peut... Bah non, attendez, mais non. Je sais pas trop où je dois aller. Il y a un souvenir, c'est cool, mais bon, enfin, bah, je sais pas. Mais en fait, si. Il faut que je mette le bloc là pour ensuite pouvoir me déplacer, je crois. Et voilà, parfait. Il y a de la confusion, mais elle est pas à ma portée. En plus, c'est pour un prisme, c'est pas mal. Salut. Il m'a vu! Je sais pas s'il arrivera à me rattraper. Oublie-moi, oublie-moi. Oh bah il m'a oublié assez vite. Où sont les pièces? Parce que là il y a aussi un truc à fabriquer. Il n'y a pas de pièces cachées, non. Ça c'est pour aller là-bas. Ah mais c'est une espèce de raccourci. Mais je peux pas y aller en fait, si. Non, je peux pas. Enfin... Ou alors je sais pas comment. Encore des casse-têtes relativement faciles, hein. Vas-y, et la pièce, c'est là-haut. Ah! Mais il y a plusieurs... Quoi? Je pourrais pas tout allumer. Ah, là, il y en a un. Comment on va faire? En attendant, petit détour ici. Oh, ça m'a l'air bien le bazar, ça. Quoi? Ah, d'accord. Bah, attendons que ça disparaisse, parce que j'ai déjà mal commencé. Mais ça marche? Hein? Attendez, quoi? Bah... Pourquoi ça fonctionne pas? On dirait que c'est bloqué, moi je peux rien faire. Hein. Bon, je pense qu'il faut activer les trucs un par un. Donc pour commencer, il faut mettre ça là. Et ça va pas dans le bon sens, mais ça va y aller. Ok, et comme ça, on met le trait là-haut. Parce qu'en fait, il y a plusieurs machines. Il y en a une première là et j'ai essayé de faire la deuxième alors que c'était peut-être trop tôt. Non mais... à chaque fois ça va pas être dans le bon sens. Hein. Et donc, maintenant j'ai ça. Ah, c'est comme ça que je vais mettre le petit bloc. D'accord, et comme ça, après je pourrais désactiver. Ok, très bien, parce que moi j'étais parti pour faire le tour. Sauf qu'on peut pas prendre les échelles avec le bloc, donc ça fonctionnait pas. Ok, c'est bon, je peux faire la suite, merci. Je coupe le courant. Puis on va ici... Ah oui, il est toujours avec nous. Hein. Prends, pause, prends, pause.
Et le dernier, ça va être là-bas. Bon, en fait, non, c'était simple. Il était en train de me dire, il est grave casse-tête ce monde, mais ça va. Enfin, il va y avoir le casse-tête de ce monde, qui pour le coup, va être un peu plus compliqué, je pense. Yes! Mais ça fait quoi? Oh, bah le casse-tête, il est là. Et j'ai pas très envie de le faire maintenant. D'ailleurs, je ne vais pas le faire maintenant. Sérieux, ça, c'est un casse-tête? D'amener le bloc ici? Un peu simple, hein. C'est pour varier les enrobages des différents trucs. Faut pas que j'aille bouger la caisse qui est là-haut, hein. Je pense pas, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Le pont n'est pas assez long pour attendre l'autre côté. Pardonnez-moi, peut-être que la grue peut vous aider. Et bah la grue va m'aider. Est-ce que je suis revenu en endroit que je connaissais? Non? Si? Mais oui, mais ça me dit un truc. Donc là, je peux tourner. Ah, mais oui, parce qu'on avait commencé. Non, bon, en fait, j'en sais rien. Pourquoi il y a un balai de sorcière? Okay, je ne sais pas. Et donc là, maintenant, la grue va pouvoir aller mettre le truc comme il faut. Ah ah! C'est bizarre quand même, hein. Ce pont, il est pas assez long, mais c'est comme s'il avait été calculé pour être exactement de la taille du conteneur de la grue. K.O. Kamek. Il n'y a pas de S à Kamek. Mais c'est un nom propre. J'espère qu'il n'y aura quand même pas beaucoup de Kamek. 1, 2, 3! Je dois survivre! Si c'est juste survivre, on a vu pire, hein. On a vu que pire, en fait. Ok, là, les tuyaux, ouais, il y a eux. Toi, tu peux monter. Mais qui a le boost des attaques? Ah, c'est lui! Ah mince! J'aurais pas dû faire comme ça, alors. Ouais, booste les attaques de tout le monde. Donc mets-toi là. Super. Là-bas, il y a un bonhomme. Mais ils sont où, tous les Kamek? En fait, il y en a un là, un là-bas, et un là-bas. Ok. Donc je pense que la priorité, ça va être que les Kamek, ben genre, on les... Attendez. Est-ce que je peux toucher, là? C'est avec elle, oui. Que les Kamek, on les paralyse, hein. Je voudrais essayer d'avoir l'autre là-bas, mais ça m'étonnerait que je puisse avoir tout le monde. Non, je peux pas avoir tout le monde. Bon, on va paralyser ceux qui sont là. Donc pendant deux tours, de eux, on est tranquille. Ça, c'est cool. Si toi, tu montes. Ok. Par contre, on peut pas le tacler, ce Kamek. Donc ce serait bien, en fait, qu'on le tue à ce tour. C'est même quasiment obligé. Je pourrais essayer d'aller me mettre là. Et tirer sur le Kamek qui est là-bas. Attendez. Il est loin, hein. Mais j'ai une portée de dingo. C'est pas mal. Comme ça, on... Bah, de toute façon, on peut pas le paralyser. Donc comme ça, il n'y a pas d'effet de trouble. On n'a pas besoin de le paralyser. Non! Crétin des Carpates. Bon, rends-toi évanescent. Ça, lui, il est protégé pendant presque tous les tours. En fait, je suis sûr qu'on va gagner. La question, c'est comment on va gagner. Mais je suis sûr qu'on va y arriver sans trop de problèmes. Alors là, en fait, il y a un autre souci. Que j'avais sous-estimé. C'est qu'après moi je serai plus planqué. Lapin Harmonie sera plus planqué. Faut qu'on se planque ailleurs. Et lui faut qu'on le tue, hein, c'est obligé. Vas-y. Il est pas mort. Ah non, on peut se planquer que là. C'est sérieux. Là je suis planqué quand même, hein. Et on le tue. Non! Ben non, parce qu'il était planqué. Mince! Ce Kamek va nous déranger un petit peu, je pense. Bah ben ouais, parce qu'il s'en va. Il va aller booster les gens. Il booste qui à part lui, en fait? Personne. Waouh! Ah, ça fait une espèce d'onde de choc. Et les scélérats. Aïe. Ben là, par contre, tu l'as éloigné de tout le monde. Donc en fait, ça se trouve, plus personne pourra la toucher. Bon, bah, j'imagine que c'est pas mal. Ils vont ramener des ennemis? Ça m'étonnerait qu'on reste à si peu d'ennemis. Ah non. Ah non. Ils ont pas rapatrié d'autres ennemis. Bah écoutez, tant mieux. Ah oh là là. Là, je peux les avoir, mais après, c'est l'éclaboussure qui va me toucher. Tant pis. On va prendre des dégâts, ce n'est pas grave. Ça arrive. Et là, j'ai lui, mais bon, il y a personne qui est mort, donc... Je peux avoir qui? Kamek? Tu peux pas, mais si je te mets là, tu peux. En lisant pas tant de dégâts que ça, finalement. Lui, tu lui fais très mal. Mais c'est pas un Kamek! Bon, tant pis, c'est pas grave. Et là,
Let's go. Quand ils vont bouger. Enfin, quand deux vont bouger parce que j'ai amélioré le pouvoir. Vas-y, je sais pas qui tu vas attaquer, mais. Fais ta vie. Attaque le Kamek. Il va pas attaquer le Kamek. Mais quoi? Mais lui, il est presque mort. C'est bon, t'en as empoisonné un qui a beaucoup de vie encore, donc c'est bien. Toi, tu peux descendre faire un tacle. Et ensuite, la question c'est où va-t-on aller? Peut-être attaquer celui qui est en haut. Mais en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de portée. C'est plutôt gênant. Ah, je l'ai quand même. C'est bon. Yes. Encore 6 tours à tenir. Enfin, 5 tours à tenir. Plus que 4 après celui-là. Oh, yes. Quoi, il est pas mort? Il a trop de vie. Je sais pas combien il en a, mais il en a beaucoup trop pour moi. Attendez, j'ai 3 coups? Je pensais que j'en avais que 2. Luigi, il est vraiment trop fort. Hein. Bah, pourquoi il attaque son pote? Ah non, c'est mon pote. Ok, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui est pas normal. Ah! Voilà, fallait bien qu'il nous ramène des choses. C'est bon. Bah écoutez, là, il y a toujours les deux bonhommes relous. Qu'est-ce que je peux faire? Tuer le Kamek? Comment je peux pas reparalyser les ennemis? Et ça, c'est pas ouf. Ah, il y a un ennemi derrière, j'avais pas vu. Il est mort? Il est pas mort! Oh, mais il est paralysé. Bon, maintenant... Mais non, pas là! Là, ok. Comme ça, on va attaquer tous les bonhommes qui sont là. Vas-y, vas-y. Enfin, surtout le Kamek, en fait. Ça va pas le tuer, hein, il a beaucoup trop de vie, ce gaillard. Luigi n'est plus protégé. Hein. Il a pas attaqué, j'espère, à ce tour. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais ça le tue même pas. Je suis un peu perdu. Je peux peut-être avoir le Kamek en allant de l'autre côté. Et parce que Luigi, il a des déplacements. Mais c'est un dieu, hein. Je pense que c'est vraiment l'un des persos les plus puissants du jeu. Bah ouais, c'est bon. J'avais peut-être même pas besoin de lui faire la charge. C'était peut-être que du zèle de la faire. Bah toi, vas-y, hein. Je vois pas trop comment autrement. Et lui aussi. C'est bon. Bon, y a que les nouveaux ennemis qui vont arriver, qui sont un peu relous. Bah y a lui aussi, mais bon. Je peux le tuer en faisant une charge? Ouais. Ok. Dommage qu'on ne soit pas occupé du vortex, en fait. Ça nous aurait pas coûté grand-chose. Enfin, si, on n'aurait pas pu tuer tous les gens qu'on a tués à ce tour, donc... Ok, c'est bon, c'est bon. Vas-y, tu vas attaquer Luigi? C'est pas cool. C'est vraiment pas cool, ça, comme façon de faire. Là aussi, ça va m'attaquer, ça me tacle et tout. Là, j'aurais bien besoin d'un soin de Peach. Ok, lui il est mort, enfin. Pas lui! Ok. Ouh. Non mais arrêtez de mettre autant d'ennemis! Je peux pas survivre dans ces conditions, j'aurais clairement dû détruire le vortex en fait. Il va y avoir un autre vortex? Ok, il faut que je le détruise. Là, il y a pas le choix. Ok, toi. Ah mais mince, il est pas à ma portée. Si je me mets là, il est à ma portée. Mais attendez, mais c'est des indestructibles. Oh non. Alors ça, c'est pas terrible. Lui, je peux essayer de l'avoir, mais c'est pas sûr. Je peux nous booster. Parce que là, la harmonie, de toute façon, elle est morte avec le poison. Ah, je peux utiliser un champi, c'est vrai. Je peux. Mais je me fais toucher. Ok, là je me fais pas toucher. Voilà, il a plus de protection. Il va mourir, c'est sûr. Eh mais Luigi, il a encore 2 points d'effet. Ah non mais j'aurais... J'utiliserai le vampirisme au prochain tour. Il faut que j'y pense. Mais en attendant, moi je disparais. Si j'utilise le vampirisme, est-ce qu'il marche à la fin du tour pour les le regard du héros? Enfin, le regard d'acier, je sais pas. Alors là, le problème, c'est qu'on peut littéralement rien faire.
Bah écoutez, gagne 70% de tes PV, hein. Bon, allez, c'est bon. Luigi, il est pas bien caché en plus du vortex qui est là-bas. Oui, mais on s'en fout, il peut se faire toucher. Eh, Kamek, boost tout le monde si tu veux. Oh là 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 là, Bowser, il est mort. J'aurais dû le soigner aussi. Il est pas encore mort, c'est étonnant, mais là, il est mort. Bah ouais, hein. Adieu, Bowser. Survivre les 6 tours, c'était beaucoup demandé, hein. Il m'a pas taclé? Pourquoi il m'a pas taclé? J'aurais été lui, j'aurais carrément fait ça. Ça envoie beaucoup trop d'ennemis, hein. Oh là là. Surtout qu'après, au dernier tour, ils vont tous attaquer Luigi, hein. Ils sont pas bêtes. Bah ok. S'il reste que 2 tours, hein. J'y prends des vies ou pas? Non, j'en prends même pas. Et là-bas. Ouais, mais je suis pas sûr de le toucher. Et si je le touche pas, c'est bien relou. Aïe, aïe, aïe. Toi. Bah ça, c'est vraiment bien. Hein. Là, s'ils attaquent pas pendant 2 tours, eux, en fait, on est tranquille. Toi, tu peux mourir. Enfin, j'aurais plutôt dû m'occuper de celui qui était là-bas, non? J'aurais dû le tacler et tout. Parce que là, il est pas mort. Ok, non, mais en fait, on est bien. Surtout qu'il n'y a pas de portail, donc on est bien. Faut que je le touche. Je l'ai eu! Yes! Donc on a regagné trop de vie. Oh là 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 là. Mais... ces portos, ils donnent vraiment trop de trucs. Mais c'est vraiment trop d'ennemis, hein. C'est pas des manières, hein. On fait pas ça. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, hein. Je peux essayer de me barrer à l'autre bout du terrain. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vais pas assez loin, mais avec elle, peut-être que si. Non, parce que j'ai même pas au tuyau. Hmm. En fait, faut juste que... ils prennent l'intérêt des ennemis. Enfin, faut que les ennemis ils attaquent Harmony et elle. Et pas Luigi. Ok. Bien sûr, il a attaqué le mauvais. Hein. Autrement, ça aurait été trop bien. Là, ça tue personne, hein. Ça en a tué un quand même, c'est bien. Et toi, Luigi, tu te planques. Ouais, bah ah ouais, non, ça touche lapin harmonie. Bon, la seule chose à faire, c'est ça. Et prier pour que le tour se passe bien. C'est le dernier tour, hein. Ouais. Mais ça les stoppe, en fait. Bah on a gagné. Yes. Par contre, faut soigner tout le monde, hein, là c'est chaud. Je sais pas si j'aurais fait mieux avec Lapin Peach, hein, je pense pas. Hein? Quoi? Oui, je peux accéder à la grue. Oui, wow, magique. Je m'y attendais pas, tiens. Ils vont pas m'interrompre pour me le dire. Non, ok, c'est bon. Gargantua peint. Lapin con crée une vague circulaire infligeant 474 dégâts et repoussant loin les ennemis. Les points de vie d'un héros sont augmenté de 15%. Les points de vie maximum, mais c'est bien. Ça veut... En fait... Stellazar, bah je m'en sers jamais en fait, donc bof. Par contre, ce pouvoir il sert presque à rien maintenant. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun endroit où on trouve des trucs en rapport. Enfin, ok. Si, on a eu quand même un petit chemin à un moment. Mais il n'y a plus trop d'objets cachés et tout. Après, c'est peut-être aussi que je les loupe, hein, parce que je dois dire que je l'utilise pas souvent. Oh, oh, encore une zone gigantesque. Drapeau de la zone du tuyau des tuyaux d'Esperado. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça va nous demander? Ça a l'air d'être encore un sacré casse-tête. Hein. Qu'est-ce qu'on allume en premier? Ça va falloir un truc qu'on n'a pas. Qu'est-ce que ça... Ah bah quoi? Je peux même pas aller dessus. On dirait que c'est bloqué. Là, il y a une machine à laquelle on peut accéder. Il y en a une aussi ici.
Je pense que c'est ça qu'il faut allumer. Mais celle-là, c'est connecté là-haut. Mais attendez, mais qui a construit ce système-là? C'est n'importe quoi. Ok. Tu mets ça là. Ah bah, c'est tourné dans le bon sens. Ah non, ça peut pas être ça. C'est obligé que c'est pas ça. Ça doit être ça, je pense. Et ça va pas dans le bon sens, très bien. Oui, tourne. Ça va dans le bon sens. Alors. Maintenant, il faut allumer l'autre, lui. Écoutez, je pense que là, c'est tout simple maintenant. C'est lui qu'il faut. On procède par ceux qu'on peut allumer. Et après, on change. Eh, mais là, faut que j'amène un truc. Là, il me faudrait un triangle que j'ai pas. Ah, mais j'ai accès ici. Pourquoi? Oh, la caisse! Yes. Je pense que j'ai bien m'en sortir, là, ce puzzle. Vas-y, mets ça là. Ce qui permet de prendre ce tuyau. Et ça, c'est quoi? Ok, ça va être pour amener un objet à un moment. Mais quel objet? Peut-être pour faire descendre la caisse? Attendez, ça, ça nous amène où? Ah ouais, non. Ce sera pour amener le triangle? Bah non. Ah si? Mais comment? Ok, on peut mettre la caisse ici, c'est parfait. Hein? Quoi? Ah bah ça marche pas, d'accord. Ça fait je sais pas combien de temps que je tourne en rond, en fait. Si je fais pas ça, je vois pas ce que je peux faire. Quoi? Et tout à l'heure, ça n'avait pas marché. C'est une blague. C'était juste ça. Ça paraissait évident, mais si ça marche pas, moi, je peux pas faire autrement. Ok, alors on va déjà amener ça. Ah, mais je peux pas, en fait. D'accord, donc faut que je résolve ce casse-tête. Ce qui est sûr, déjà, c'est que lui, il va là-bas. Là, il peut pas y avoir d'autre choix. C'est ça ou rien. Ok. Ensuite, il faut conserver le courant. Et l'amener dans le deux autres. Oui, parce que j'ai bougé plein de trucs, en fait. Alors, ce qui me semblerait, c'est que ça, ça va aller là. Et dans l'autre sens. Deux fois. Ah non, une fois. Ok, c'est bon. Et ça. Ah, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok, très bien. Ils sont sérieux, faut qu'on ramène la caisse. Et voilà, enfin, on arrive à la fin de ce petit casse-tête. Donc là, c'est la barre qu'il faut mettre ici. Que je dois aller rechercher en mettant le bloc. Pas très compliqué ce casse-tête, mais... En fait, il casse les couilles plutôt. C'est bon! Ah oui, mais en fait, je... Bah non, c'est pas bon. Là, maintenant, c'est bon, je pense. Non? Si, si, si. Et mais le courant, il va super lentement ici. Hein. L'électromagnétisme, c'est pourtant l'une des ondes qui se déplace le plus rapidement. Enfin, non, en fait. Mais ça va très vite et ça va beaucoup plus vite que ça. Donc c'est chaud. What? Pourquoi la caméra, elle a fait ça? Je sais pas, bizarre. Allez, enfin du fight! Parce que là, après un cassette aussi long, moi, je veux du fight. Mais on n'est pas obligé. Mais attends, ça demande le niveau 27. Allez, donc non, on va peut-être pas faire ça maintenant, en fait. Clairement pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, et... C'est bon, on va pouvoir faire descendre l'échelle. Oui, je veux un combat! Ça faisait longtemps. Il y a beaucoup d'ennemis à vaincre, là. Ils sont où, les Kameks? Ah ouais, d'accord. Oh! Mais que vois-je, je... Des choses qui font plaisir. Alors. Toi, tu vas aller là. Tu vas choper lui. Et... Yes! Wow! Bon, je dois vous avouer, pour être tout à fait honnête, hein, que je m'attendais clairement pas à ce carnage, mais je suis quand même bien content. Celui qui est à droite, là. Pas les bois-bombes. Pas les bois-bombes. Bon, lui aussi, si tu veux, mais de toute façon, il était quasiment mort. Bah, enfin, il aurait pas pu être empoisonné, donc c'est pas grave. Ok, c'était pas là non plus où je voulais aller. Eh, mais en plus, il va pas passer sur moi. Non, mais... Lui, s'en met un coup. Hein. Obligé de faire le grand tour. Ça, parce que Bowser, il prend toute la place. C'est pas possible. Bah, écoutez, c'est effectivement très possible, en fait. Très possible et pourtant malheureux. Alors, va tacler celui qui est là-bas. Et ensuite, tu te caches. Et tu tapes celui-là. Yes. Il levait les mains au ciel, mais ça ne change rien. Moi, je l'ai quand même. De toute
toute façon, on s'en fout. On va les paralyser. Ah, mais j'aurais peut-être dû tirer sur l'autre, alors. Elle a encore qu'un seul point d'action. Mince. J'aurais dû faire l'autre parce que lui, avec l'explosion, en fait, il va être déparalysé. Et j'aime pas ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Ok, comme ça, si jamais il se met à bouger, on pourra l'avoir. Allez, vas-y. Ah bah. Non, mon ami. Ah non, c'est moi, il a pas explosé. Yeah. Trop fort, Luigi. Ah, c'est la fin du tour. Ah mais oui, ça les déparalyse maintenant quand le tour est terminé. Donc en fait, c'est bien. Pourquoi il agite genre sa baguette après, enfin, ça sert à rien. Ah, même pas mort. Ok, et pour finir... Et bien, ce combat était super simple, mais mon équipe, je l'adore. Bon, je sais pas si c'est parce que les combats sont faciles ou parce que mon équipe est trop forte, mais j'adore mon équipe comme ça. C'est bon, on peut enfin faire descendre cette échelle. Ce qui va nous permettre d'accéder au moulin. Ça en aura pris du temps. Ouais, vas-y, vers la gauche. D'ailleurs, j'ai loupé une caisse, hein. Je l'ai vu sur la route. Il y avait rien à droite, hein. Ouais, ça servait à rien de... Enfin, genre, de mettre le pont vers là et d'y aller. Inutile. Ici, big moment pour Baudruche Nunuche. Est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Arrêtez de niaiser. Plus tôt vous vous occuperez de mon moulin, plus vite je pourrai tuner votre bécane. Terminé. C'est exactement ce qu'on va faire, t'inquiète. Détruire le tentacule de confus d'ombre sur le moulin. Oui. Qui est niveau 24. C'est le niveau qu'on a, donc c'est exactement bien. Mais ce sera pour le prochain épisode. Et oui les amis, nous on se retrouve demain pour la suite. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser plein de pouces bleus, de compter, de vous abonner. Et à demain, salut. Yes.